Je fais les textes et les photos que j'ai sur le secteur des matières premières. 1750. École flamande du 18e, suiveur de Jean Bruegel le Vieux panneau de chêne. Bon, je vous mets dans les matières premières parce qu'il y a des moulins, donc ça reprend toute la thématique de, le, de la production énergétique. 1870, les émergents à la conquête du marché du blé. La mise au point du silo moderne et la création des bourses de commerce vont permettre aux États-Unis d'exporter leur dans le monde entier. Le Chicago Board of Trade, première bourse de commerce, est créée en 1848. L'événement passe inaperçu pour le grand public. Jette le trouble en Europe. En 1870, le premier arrivage massif de blé américain font leur apparition sur les marchés agricoles de Londres, Paris et Berlin. Premiers arrivages. Pas tout à fait en réalité. En 1846-1847, déjà l'insuffisance des récoltes en France et en Grande-Bretagne avait nécessité l'importation de grains en provenance d'Amérique du Nord et de Russie. Cette même année 1846, l'abolition en Angleterre des célèbres Corn Laws, ensemble de mesures douanières établies en 1815 pour protéger les agriculteurs anglais, avait également provoqué une augmentation des importations de grains. Au début des années 70, cela faisait donc des années que les Européens consommaient régulièrement des blés étrangers. Mais jusqu'à la fin des années 60, le mouvement était resté relativement marginal. À cette époque, en effet, la faiblesse des réserves mondiales rendait difficile l'émergence d'un marché international du blé. S'y ajoutaient les contraintes liées au transport du grain, non seulement à l'intérieur des grandes zones de production, mais aussi d'un continent à l'autre. Les événements politiques s'étaient également mis de la partie pour freiner les importations. Entre 1853 et 1856, ainsi la guerre de Crimée avait interrompu les flux de blé russe vers l'Europe, ensuite la guerre de sécession 1861-1865 avait eu des effets similaires sur les importations de blé en provenance des États-Unis. Le début des années 70 marque de ce point de vue une véritable rupture en même temps qu'il inaugure l'émergence d'un véritable marché mondial du blé. Pour bien comprendre l'ampleur de cette double mutation, il faut se projeter quelques années en arrière. Tout commence aux États-Unis à la charnière des années 1850-1860. Pendant des décennies, le marché américain des céréales avait été géré de manière très traditionnelle, effectué par des exploitations de petite taille. La production de grains était commercialisée par des maisons de commerce qui assuraient leur acheminement par lot, un lot correspondant généralement à un propriétaire vers les grands centres urbains de consommation. Faute de système de stockage adéquat, il était cependant difficile d'expédier les céréales sur de très longues distances, simplement entassées, le grain fermenté et devenait impropre à la consommation. Le marché du grain restait donc essentiellement un marché régional, l'impossibilité de stocker les céréales interdisait en outre toute forme de spéculation et donc l'émergence de marchés à terme. Tout change à partir des milieux des années 1850 et plus encore dans la décennie qui suit, c'est alors que se produit aux États-Unis l'innovation fondamentale. La mise au point du silo moderne, en remuant continuellement le grain pour l'empêcher de chauffer et de fermenter, le silo permet de stocker durablement les céréales, premier pas vers la naissance d'un marché national. Mais ce n'est là qu'un aspect de la mutation. Dans le même temps, le, dé le développement très rapide des chemins de fer outre-Atlantique, la naissance du télégraphe électrique et l'essor de la navigation à vapeur bouleversent le marché en permettant une accélération prodigieuse du déplacement des denrées et en favorisant le développement d'entreprises auxiliaires spécialisées dans l'exploitation d'entrepôts et d'élevateurs à grains. Dans les années 1850, nombre de compagnies ferroviaires américaines et les principaux négociants en grains des États-Unis entreprennent ainsi de construire des élevateurs à vapeur, puis à l'électricité, et des silos le long des lignes de chemin de fer traversant les régions productrices. Afin d'y entreposer le grain acheté aux fermiers des grandes plaines. Ces nouvelles techniques entraînent une baisse sensible du coût d'acheminement des céréales. Dans les années 1860, les grandes maisons ont définitivement remplacé les marchands traditionnels dans le négoce du grain, disposant souvent de leurs propres silos, de bureaux dans tous les grands centres de production. Ces maisons achètent directement aux producteurs, prennent possession des norais les stocks et les livres, le tout en quantité beaucoup plus élevée et à des coûts bien moindres que les négociants de jadis. Si elles bouleversent la manutention des céréales et leur mode de commercialisation, ces nouvelles techniques entraînent également l'apparition d'un véritable marché national du blé qui se projette au-delà des mers. L'importance des volumes en cause exige la fixation de normes objectives valables pour tous les opérateurs au départ et à l'arrivée. Au cours des années 1850, la nécessité de standardiser la classification des grains et les méthodes de pesage aboutissent à la création de bourses de commerce. La première, le Chicago Board of Trade, voit le jour de 1848, mais se développe véritablement au cours de la décennie suivante. Dans les années 1850, d'autres bourses font leur apparition à Saint Louis, Buffalo, Philadelphie, Omaha, Minneapolis, New York ou encore Kansas City ou Milwaukee. En 1874, c'est le tournant essentiel, le New York Produce Exchange adopte comme norme le système de classification et d'inspection de des grains venus de l'Ouest. À cette date, cela fait une dizaine d'années déjà que les bourses de commerce ont adopté le système du contrat à terme, dit contrat à l'arrivée, rendu possible par le télégraphe qui accélère les ordres de vente et les chemins de fer. Ce contrat permet de négocier les grains avant même qu'ils ne soient récoltés et porte sur les livraisons futures. Payé comptant, il précise les quantités à fournir, les quantités et les prix et les dates de livraison. Ces avantages sont nombreux il devient possible d'expédier et de livrer le grain au moment où l'industriel est prêt à le transformer et le négociant à l'expédier. Il n'est en outre plus nécessaire de vendre le prix du grain au cours du jour de son arrivée, à la clé d'une plus grande stabilité des prix. Au milieu des années 60, le marché américain du blé a ainsi adopté son organisation définitive. Venu des grandes plaines de l'Ouest et du centre des États-Unis, acheminé à bas prix vers les centres de consommation ou d'expédition, géré de manière rationnelle et suivant des classifications rigoureuses, le blé américain est prêt à être expédié vers de nouveaux marchés, Europe en tête. Les prix relativement bas des céréales en provenance d'outre-Atlantique jouent dans l'affaire un rôle capital. S'y ajoute également en tout cas pour la France les effets de la guerre de 70 qui a désorganisé la production céréalière. Au seuil des années 1870, les expéditions de blé américains commencent à se ressentir sur les marchés européens des denrées agricoles. Même les États-Unis ne sont pas le seul émergent à bouleverser l'univers du blé. Quelques années plus tard, un nouvel acteur fait son apparition, l'Argentine. C'est en effet dans les années 70 que ce pays entreprend d'accélérer la mise en valeur de la pampa. Cultivé à bas prix, le blé argentin arrive sur les marchés européens quelques années après les céréales américaines. Au début des années 1880, un homme prend le contrôle du marché argentin des céréales et des denrées agricoles, Charles Bunge, originaire des Pays-Bas. Il met en place un vaste système commercial alimentant l'Europe depuis l'Argentine et la Russie, achevant la grande mutation du marché mondial du blé. Commencé quelques années plus tôt dans les plaines du Middle West. 1915. Les contrebandiers du caoutchouc et du cuivre. Les douaniers américains, intrigués par le nombre exagéré des mâles enregistrés au nom d'une élégante voyageuse, au moment où elle allait prendre passage sur le paquebot partant pour la Suède, s'avisèrent de la contrôler. Ils découvrirent au milieu des ravissants effets des centaines de kilos de caoutchouc. Après enquête, on a découvert que l'Allemagne, par l'intermédiaire de la Deutsche Bank, avait enrôlé tout un régiment de ces contrebandières qui traversaient l'océan en emportant dans leur malles qui du caoutchouc, qui du cuivre. L'histoire prouve que l'Allemagne est en proie à de cruels embarras, combien de billets de passage et en première classe pour faire arriver jusqu'à Hambourg ou Brême une tonne de caoutchouc ou une tonne de cuivre Faut-il que l'Allemagne en soit réduite à la dernière extrémité pour recourir à des expédients si coûteux y a bon, comme disent nos Africains. La lutte contre la spéculation sur le charbon. Monsieur Violette, ministre du Ravitaillement, vient de présenter un projet de loi tendant à réprimer les opérations de spéculation et d'accaparement du charbon. En effet, nombre de ces malversations ne sont, jusqu'à présent, pas punissables dans le cadre du Code pénal, ce qui renvèle les nombreuses plaintes dont a été saisi le procureur de la République. Cette loi devra lutter contre les ventes illégales de charbon, mais aussi contre la constitution. Pour certains particuliers de stocks dépassant notablement leurs besoins. C'est ainsi que toute personne devra déclarer à la mairie de son domicile la quantité de charbon excédant une tonne qu'elle a en sa possession. Toute quantité non déclarée sera réquisitionnée. 1930. Moulin avant Albert Lebourg, moulin à Rotterdam. 1870. Le nuage toxique de Céveso. Tout a commencé le 10 juillet dernier quand, après une erreur de fabrication, un nuage toxique s'est répandu dans l'air. Très vite, à Seveso, les premiers signes du désastre sont enregistrés. Les feuilles des arbres jaunissent, on retrouve morts des animaux de petite taille. Beaucoup d'enfants présentent des lésions de la peau et une jeune fille asthmatique décède peu après. L'état d'urgence est décrété, l'usine est fermée et le maire interdit la consommation des fruits et légumes. 700 sinistrés ont déjà dû quitter leurs habitations. L'avortement est autorisé pour les femmes contaminées. Ce qui en temps normal, rappelons-le, est formellement contraire à la législation it italienne en vigueur. La colère monte en Italie. On estime que les autorités qui ne dominent manifestement pas la situation sont coupables n'avoir pas su imposer une réglementation efficace à l'usine responsable. Celle-ci était, paraît-il, en situation irrégulière vis-à-vis -vis de la législation italienne des industries insalubres. Le plan acier. Un important programme de modernisation de l'industrie sidérurgique française va être rapidement engagée afin de permettre aux entreprises de retrouver une compétitivité de niveau international. M. Raymond Barr s'est attaché devant l'Assemblée nationale à montrer la nécessité d'un plan acier de grande ampleur. La sidérurgie est en effet une de nos industries de base essentielle. La crise qui la frappe dépasse de beaucoup en longueur comme en acuité toutes celles qu'elle a traversées depuis 20 ans. Il s'agit aujourd'hui d'assurer les conditions de redressement de cette industrie, il s'agit aussi de recenser les moyens que la collectivité doit mettre en œuvre au nom de la solidarité nationale pour assurer ce redressement, mais aussi pour atténuer et corriger les effets des mesures qu'il rend indispensables. 1980. Platine. Les cours du platine s'envolent. Depuis le 1er août, ils ont gagné plus de 20%. Une bien meilleure performance que celle réalisée par l'or. Au point d'ailleurs qu'il n'existe pratiquement plus aucune marge entre les cotations des deux métaux précieux. La menace de grève dans les mines des trois grands producteurs sud-africains, Rustenburg, Impala et Western Platinum, explique l'agitation des opérateurs sur le platine, de 280 dollars, l'on s'est passé à 340 dollars en quelques jours. L'ampleur de ce mouvement confirme la volatilité qui a toujours caractérisé le marché de ce métal dont l'Afrique du Sud assure plus des deux tiers de la production mondiale. Cette dépendance inquiète d'autant plus aujourd'hui les acheteurs que s'ouvrent de belles perspectives avec les catalyseurs. Les mesures adoptées ici et là sur la planète, en particulier en Europe, à l'encontre de la pollution automobile vont de fait créer de nouveaux besoins pour le platine, mais aussi pour le palladium et le rhodium notamment. Il est sans doute encore trop tôt pour que cette utilisation industrielle influence le marché. Il empêche que sur le plan psychologique, cette ouverture potentielle de nouveaux marchés a certainement joué un rôle. Alors, 2012, la revue internationale et stratégique, le grand jeu des matières premières. Au 19e siècle, on parlait du grand jeu pour décrire les rivalités coloniales en Asie centrale autour de l'Afghanistan. Aujourd'hui, le grand jeu entre les puissances et la Chine en premier tourne autour des matières premières et de l'énergie. Pourquoi les matières premières sont-elles stratégiques S'interroge ainsi Bastien Alex et Sylvie Mattei dans un dossier de la revue internationale et stratégique. Pour les deux chercheurs de l'IRIS, Institut des Relations Internationales et Stratégiques, les matières premières sont de tout temps un enjeu des relations internationales, notamment parce que le développement et la puissance d'un pays sont liés à la gestion de ses ressources ou à sa dépendance vis-à-vis -vis des matières premières, ce qui oblige à un jeu subtil d'influence et une lutte entre États. Il n'est cependant pas certain que les nouvelles avancées technologiques permettent de mieux maîtriser les matières premières. Donc voilà, c'est ce que j'ai sur les matières premières.